Cette semaine, Albert Serra présente à Cannes La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle du Roi Soleil, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, déjà, Jean-Pierre Léaud? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Jean-Pierre Léaud, ce sont tout d'abord fin 50, des débuts fracassants à l'âge de 14 ans dans Les 400 coups, le premier film de François Truffaut, avec une célèbre réplique. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Puis une gifle, puis une échappée à la fête foraine, sans oublier la lecture de Balzac en grand format. Tout à coup, le moribond se dressa sur ses deux poings. Un entretien avec un psychologue presque documentaire. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçu qu'elle l'avait revendu. Et enfin, le plus célèbre des regards caméra et la plus célèbre des images arrêtées. Jean-Pierre Léaud, c'est ensuite, tout début 60, une participation plutôt chic dans l'ultime film de Jean Cocteau, et puis sa collaboration avec François Truffaut qui continue, avec le court-métrage Antoine et Colette, deuxième volet des aventures d'Antoine Doinel, où il tombe notamment amoureux de Marie-France Pisier à la salle Pleyel pendant un concert de la Symphonie Fantastique. Et puis à la même période, Le Père Noël à les yeux bleus de Jean Eustache, où Jean-Pierre Léaud incarne, dans les rues de Narbonne, un Père Noël aux mains pour le moins baladeuses. Ça va ? Voilà, merci bien. Jean-Pierre Léaud, c'est ensuite au milieu des années 60, la rencontre décisive avec Jean-Luc Godard, pour lequel il est tout d'abord l'assistant réalisateur, il apparaît ensuite, très furtivement, dans Pierrot le Fou, en bas, bord cadre, il apparaît ensuite, un peu plus longuement, dans Made in USA, écoutant au café Marianne Faithfull, puis on le voit dans Weekend, chantant du Guy Béard, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait beau temps là-bas sous ton ciel? Et enfin et surtout, il tient le rôle principal de masculin-féminin, assistant notamment à une séance d'enregistrement de Chantal Goya. D'abord, dis-moi ton nom, je te dirai le mien. Partons loin d'ici, nous parlerons plus loin. Je ne veux pas qu'on sache que je t'ai rencontré. Je ne veux pas qu'on dise. Jean-Pierre Léaud, c'est ensuite à la fin des années 60, les retrouvailles avec François Truffaut pour une nouvelle aventure d'Antoine Doinel, où il croise Claude Jade, mais aussi Delphine Seyrig pour un célèbre lapsus. Vous aimez la musique, Antoine ? Oui, monsieur. Et puis, à la même période, toujours le cinéma de Godard, avec La Chinoise, où les lectures deviennent plus politiques. L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. Et puis, toujours fin 60, un grand Jerzy Skolimowski, Le Départ, tourné à Bruxelles, où il incarne un coiffeur plutôt délicat, qui multiplie les facéties avec un tramway, avec un miroir, ou avec une Porsche pour un dérapage tout à fait contrôlé. Un Jean-Pierre Léaud qui n'oublie pas en plus de séduire Catherine Duport au Salon de l'Auto sur une mélodie composée par Christophe Comeda et chantée par Christiane Legrand. Rues et ruelles, chambres livides, portes et portes, des mouches mortes, des bouteilles vides, vides toujours. Jean-Pierre Léaud, c'est ensuite au carrefour des années 70, un Pasolini controversé, comme souvent, mais aussi une nouvelle aventure d'Antoine Doinel, où ses lectures ont une nouvelle fois changé. Qu'est-ce que tu lis? Les femmes japonaises? Oui, j'en ai besoin là pour mon travail. Et puis à la même période, un autre Truffaut, et pas n'importe lequel, où il écrit des lettres. Je vous imagine comme une épouse, avec un enfant, dans un foyer à nous. Et on reçoit. Ceci est un morceau de papier peint de notre chambre. Et puis, toujours début 70, deux ovnis,
Out One de Jacques Rivette, où Jean-Pierre Léo improvise un personnage d'abord muet. Bonjour Monsieur Maillard, comment allez-vous? Ça va, ça va? Puis bavard. Allô, bonjour, c'est maman. Et enfin devant la caméra de Luc Moulet, Jean-Pierre Léo et Billy the Kid en toute simplicité. Jean-Pierre Léo, c'est ensuite en 1973 l'un de ses plus grands rôles chez Jean Eustache, celui du dandy Alexandre, ses lunettes noires rondes. Je te parle de rêve et déjà tu me réponds par cauchemar. Et son amour du vinyle pour l'éternité. Le poète en guenille, des rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruant, les héros populaires, des refrains d'avant-guerre, bien loin de nous maintenant. Jean-Pierre Léo, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, un célèbre film de Bernardo Bertolucci, où il incarne un réalisateur de documentaires, et puis un non moins célèbre film de François Truffaut, encore lui, où il incarne Alphonse, acteur lunaire traversant une certaine crise existentielle. Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Écoute Alphonse, viens. Tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario, tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir. Hein. Demain c'est le travail. Et le travail est plus important. Et puis en 1979, Jean-Pierre Léo incarne pour la dernière fois Antoine Doinel, toujours devant la caméra de Truffaut, avec, après un baiser avec Dorothée, le plus beau des génériques de fin. Caresse photographiée sur ma peau, sensible, on peut tout jeter les instants, les photos, c'est libre, y a toujours le papier collant transparent. Remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche. On a monté le ménage, le bonheur à deux, je t'en fiche. Jean-Pierre Léo, c'est ensuite, dans les années 80, un Benoît Jacquot et un Agnès Varda, et puis un hôtel chez Godard et un hôtel chez Enki Bilal, sans oublier une comédie de Josène Balasco, Les Keufs, où il incarne un commissaire de police plutôt remonté contre son équipe. Eh bien, bravo! J'en ai quelque chose à vous dire. Bravo! Mais la fin des années 80 est surtout marquée par la rencontre avec Aki Kaurismäki pour J'ai engagé un tueur, où Jean-Pierre Léo parcourt les rues de Londres, où il s'ennuie au travail, où il se passionne tout de même pour des plantes, et où il tombe amoureux. Et enfin, où il croise Aki Kaurismäki en personne dans la rue, avant d'assister dans un pub à un concert de Joe Strummer. When the air can hope to hold on to the ground, to dust and rust. Jean-Pierre Léo, c'est ensuite, dans les années 90, un nouveau Kaurismäki, tourné cette fois à Paris, puis la rencontre avec Olivier Assayas, avec Paris s'éveille, et surtout Irma Vep, où il incarne un réalisateur dirigeant en anglais Maggie Chung en Musidora. You know, it's very important to be simple. You don't play, you don't think about your part, you just be yourself. Et puis toujours dans les années 90, la rencontre avec Philippe Garrel pour La naissance de l'amour et un dialogue de haute volée avec Lou Castel. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Enfin, toujours dans les années 90, la comédie de Lucas Bellevaux « Pour rire » où Jean-Pierre Léo pratique des arts martiaux en silence et où il passe l'aspirateur en chantant. Et enfin, où il regarde la télévision, plutôt surpris, avec sa femme Ornella Muti. Je sais pas comment je dois prendre ça, mais c'est très, très troublant. Je ne vois pas pourquoi. Écoute, je t'assure que découvrir après 15 ans de vie commune que sa femme aime le vélo, c'est troublant. Enfin, Jean-Pierre Léo, c'est, dans les années 2000, un rôle d'horloger un peu magicien chez Noémie Lvovsky, et un nouveau rôle chez Aki Kaurismäki, mais aussi une tonitruante apparition dans Innocent, le film de Bernardo Bertolucci sur mai 68, à la fois en archive et en live.
tous ceux qui aiment le cinéma en France et dans le monde sont avec vous. Sont avec Henri Langlois. Et puis toujours dans les années 2000, Jean-Pierre Léaud rencontre le cinéaste taïwanais Tsai Ming-liang, tout d'abord dans « Et là-bas, quelle heure est-il ?», où l'on regarde les 400 coups à la télévision, et où l'on croise Jean-Pierre Léaud en vrai au Père Lachaise. Vous cherchez quelque chose ? Pardon ? Et puis dans « Visage », tourné à Paris, où Jean-Pierre Léaud rayonne plus que jamais, surtout sous la neige. Enfin, n'oublions pas, évidemment, à cette période, chez Bertrand Bonello, Jean-Pierre Léaud, en réalisateur de films pornographiques, plutôt arty. Ne cherche pas à être juste. Ne cherche pas à créer une émotion quelconque. L'émotion, c'est moi qui ai à la chercher. D'accord. Non. Pourquoi ? Parce que... Bon, ben gardez-le alors. Voilà, Jean-Pierre Léaud sait tout cela, ce qui est évidemment beaucoup. Mais Jean-Pierre Léaud, c'est aussi, et enfin, un titre sur cet album électro des Troublemakers, sorti au début des années 2000, Get Misunderstood, qui sample le désormais célèbre dialogue de Naissance de l'amour de Garel, ce qui nous donne, pour conclure, des envies de Ricott. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Glorious Passage, j'en ai plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous. Thank you.